Océane, tu l'auras compris, si tu parviens à faire une ligne verticale, tu remportes ce duel des championnes. Je suis bien, Manon, quoi. T'as l'air bien, mais c'est à toi surtout de viser la bonne case. C'est Océane de tirer la troisième flèche, je retiens mon souffle, parce que là, si elle vise la bonne case, elle gagne. Je croise les doigts, j'espère qu'elle va pas gagner, j'espère qu'elle va pas le mettre, qu'elle va le mettre à côté. Parce que si je perds face à elle, c'est très énervant. Donc il faut espérer qu'elle, elle loupe. Exactement les trois cases que je voulais. La victoire, elle est pour moi, donc je suis très fière de moi. Oh, t'es trop fière de toi, chérie, t'es trop fort. T'es trop fort. Incroyable. Le reste du monde. C'est vraiment pas du tout le moment de me chanter un truc dans la... Alors vraiment pas. Vaut mieux qu'elle arrête de chanter tout de suite, parce que... Ne me donne pas une excuse pour m'énerver. Genre, vraiment, m'en donne pas une, parce que j'en ai pas besoin. Franchement, non, reste humble. Reste humble, parce que là, c'est vraiment une très très belle victoire. T'as de quoi rester humble. J'aime pas larguer en plus. Donc... Toi, reste calme. Toi, reste calme. Heureusement que je suis pas mauvaise perdante dans ma vie, parce que là, sinon... Respire. Bastos, il essaye de me calmer, il essaye de me faire rire pour pas que je pète un plomb. Et heureusement, parce que du coup, mes nerfs, la haine que j'ai, en fait, je la change en rire, en fait. Très, très bien joué, bien évidemment, vous l'aurez compris, le reste du monde. Sur ce coup-là, Océane a été bien meilleure. Encore une fois, félicitations. Merci. 1000 points pour toi et ta famille, surtout. Je te laisse leur annoncer le résultat. Les 1000 points, je suis contente, puisque je veux les ramener à ma famille de Marseille. Je veux enfin pouvoir leur montrer de quoi je suis capable, et je suis trop contente d'avoir mis la raclée à Ilona. Je vous laisse retourner à la villa et annoncer les Marseillais la victoire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, merci Catalia. Merci. Il est temps pour nous de rentrer à la villa. Normalement, je remporte tout, donc là, le fait d'avoir perdu en plus face à Océane, ça me dégoûte encore plus, en fait, ça me dépite. En plus de ça, quand je vais devoir leur annoncer qu'on a perdu 1000 points, ils vont pas être très fiers de moi. J'entends du bruit et je sais que c'est le retour du duel et je suis un peu stressé de savoir ce qui s'est passé. J'ai hâte de les écouter, d'avoir ce débrief. Le reste du monde, on a gagné 1000 points. Ça a été tir à l'arc, elle a fait aucune erreur. 1, 2, 3, 0. J'ai mis 3-0. Easy. Direct à la fin. Ça, c'est fait. C'est dur en vrai, mais je sais pas comment je vais faire. Non, j'étais concentrée, j'ai mal. Et tu rigoles? T'as été nulle, moi? Ouais, j'ai perdu. Tu rigoles et t'as perdu. Quoi? Parce que t'as jamais rien perdu de ta vie? Si, ça va, mais détends-toi. Mais je suis nulle en tir à l'arc, tout le monde le sait. J'étais bidon. Et en plus, elle a été hyper forte. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Elle a été hyper forte. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, elle a loupé complètement la cible. Tout. Là, ce qui m'énerve, c'est qu'elle sourit, elle rigole. Ouais, j'étais nulle. C'est pas Ilona, là. C'est pas la vraie Ilona que je connaisse. T'as pas le droit de revenir avec cet état d'esprit et nous dire en souriant « Ouais, j'ai perdu. » Moi, je rentre un duel, je perds. Tu vas pas me voir rigoler pendant 2 heures le temps que j'encaisse la défaite. Une fois de plus, là, je suis déçu d'Ilona. Ça va, Jules ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé quoi ? J'ai pas compris. Parce que je reviens en rigolant. Ça a eu un bon effet. Ouais, je me fais agresser. Enfin, je suis en duel contre la vie que je déteste le plus dans cette maison. Donc, heureusement que j'en rigole. Comment ça se passe ? Non, c'est juste qu'il est pas bien. Mais frère, je suis nulle en tir à l'arc, je vais... Et en plus, je perds face à elle, donc excuse-moi, je préfère en rigoler et dire qu'elle s'est gavée, parce que c'est le cas, plutôt que de faire de la rageuse, mauvaise perdante. Je rêve, en fait, je rêve. Julien, au lieu de me soutenir, il s'en va énervé. Il sait que mon moral, il contrôle tout, et que là, mon moral, il est au plus bas. Donc en fait, je comprends pas pourquoi il se permet de s'énerver sur moi au lieu de me soutenir. Océane, Océane, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, bébé. Oula, qu'est-ce que tu me dis encore? Non, bébé, j'ai parlé un petit peu avec Juju. Et il est conscient qu'il t'a fait beaucoup de peine. Ah bah oui, mais c'est trop tard. Il le sait, bébé.
Je joue les entremetteurs entre eux parce que Océane, c'est mon amie, je l'aime beaucoup, c'est ma sœur. Et Julie Imbert, je l'aime beaucoup. Donc du coup, ça serait bien qu'ils aient une discussion tous les deux. Qu'ils lui disent à Océane, tout simplement, les choses, c'est tout. Moi, ce qu'il me dit, il me dit que c'est fini entre lui et Ilona. Mais je sais, mais regarde. Tu vois, il arrivera pas à se remettre avec. C'est quoi, je pourrais, si j'étais assez forte, je pourrais lui parler. Mais j'ai pas envie de me rattacher à lui. Il suffit que je regarde dans les yeux pour que je retombe dedans. Non, mais moi, je lui ai dit que tu lui avais fait beaucoup de peine. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, il en est conscient. Je le ferai toute la nuit, Rick. Mais Berre, écoute-moi, il en est consciemment beauté, il le sait. Tu peux, toi, écouter ce qu'il a à te dire. Oui, c'est vrai. Tu vois. Mais. Essaye d'écouter ce qu'il a fait. Déjà, ça m'a fait changer des idées d'aller au tir à l'arc. Mais Berre, là, je vais replonger dedans, tu vois ce que je veux dire. Mais tu écoutes même, tu le regardes pas, au pire. Garde mes lunettes. C'est pas que je m'en fiche, parce que j'étais quand même vraiment attachée à lui. Je commençais à avoir de réels sentiments qui s'installaient. Mais maintenant que je l'ai vu se rapprocher d'Ilona et discuter avec elle, il a brisé ma confiance, il a brisé notre couple comme ça, en deux minutes. Donc clairement, je veux rien entendre de lui. Je m'en fous en fait de ce qu'il me dit, j'y crois même plus en fait. Julien! Ah, il est là, ça va bien. Je jure. Qu'est-ce que t'as? Rien. Je suis allé voir Océane. Tu te rappelles ce que tu m'as dit tout à l'heure? Elle t'attend. Voilà. Non, donc si tu veux aller lui parler, c'est maintenant. Mmh. Voilà. Je sais qu'Océane a appris le bisou cette nuit entre Ilona et moi, et ça lui a fait beaucoup de peine. Depuis ce matin, on ne s'est pas parlé avec Océane. Donc la moindre des choses, c'est des explications et des excuses. Ça va? C'est vrai qu'il t'a envoyé ça? Ouais, viens de me dire que t'étais au baldaquin. Je voulais juste te dire que j'étais désolé de la situation. Vraiment. Ok. Et je pensais pas que ça allait se passer comme ça, et que ça allait être aussi dur, et qu'au final, bah, toi, t'allais en... Après, je m'en doutais, je te l'avais dit. Maintenant, de là à... Si je t'avais pas quitté, en gros, tu m'aurais trompé, c'est ça, tu l'aurais embrassé, t'aurais passé la nuit avec elle. Je comprends pas, en fait. Non, c'était pas parce pareil. Parce que je veux bien, en fait, comprendre plein de choses. Mais le manque de respect, non, en fait. Mmh. Donc, après, c'est ton choix, hein, tu fais ce que tu veux. Mais moi, c'est clair que c'était... Je peux pas accepter ça. Voilà, donc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré te quitter avant, parce que je peux pas rester en couple avec quelqu'un et voir tout ça en face de moi. Dans ma tête, je veux que tout soit clair. Donc t'inquiète pas, maintenant que je suis seule, tu es seule aussi, tu fais ce que tu veux. Elle a raison. Et c'est pour ça que je lui réponds rien. Ce bisou, il a reperturbé Ilona plus qu'autre chose. Moi, il m'a remis un peu dedans. Océane, ça l'a fait pleurer. Alors que c'était un bisou, bah alors peut-être qu'il faut le prendre comme un bisou d'adieu, un bisou d'au revoir. Et surtout qu'il mène à rien, et qu'on n'est pas ensemble, et qu'elle veut toujours pas qu'on se remette ensemble, et moi non plus, donc je suis désolé pour le bisou, c'est vrai que c'est un manque de respect, et désolé de t'avoir fait du mal. Mais mets-toi à place, je sais, et le pire c'est que mais, je peux pas t'en vouloir parce que c'est l'amour. Ce qui me fait mal, c'est de te faire du mal. Oui, mais c'est du mal aussi de te savoir là, en train de pleurer, que Greg il vient me voir et qu'il me dise oui. Bah oui, hier soir j'étais très très mal, ouais. Et d'ailleurs, comment tu peux en fait passer la nuit avec elle, alors que j'ai juste de te quitter, que je suis en train de pleurer en haut et que tu viens pas me voir? En fait, tu sais que j'étais un peu à l'ouest hier soir. Jamais de la vie, je fais ça, moi. Jamais de la vie. Jamais. Ah, ça m'a vraiment pas manqué, ça, moi. Mon Dieu. Ouais. Trop dur. Je suis en train de prendre conscience de tout ce qui se passe. Je culpabilise de faire du mal à Ilona, d'avoir fait les dommages collatéraux. C'est Océane qui souffre aussi de son côté. Et ça me fait de la peine, ouais, parce que je suis en train de la perdre. Et c'est regrettable. Je vais essayer de me faire pardonner. Je voulais au moins que tu saches que je suis vraiment désolé. Et je m'en veux et que ça me fait du mal. Mais vous deux, vous faites du mal, vous êtes au grand, ça? Je comprends pas, en fait. Pourquoi est-ce que vous... Enfin, je comprends pas ce que vous faites n'importe quoi. Mais vous savez que c'est perdu d'avance. Tu vois très bien qu'elle... Il y a trop de haine en elle. Et plus ce qui s'est passé entre nous, elle va te remettre ça en plus sur le tapis. Mais allô? Je comprends pas, en fait, pourquoi Océane et Julien, ils se parlent encore, en fait. Vous savez, ils se sont pas assez parlé, je comprends pas. Donc, du coup, je pense qu'il faut qu'il y ait une confrontation à trois parce que je veux entendre ce qu'il dit. Ouais, parce que, avec ce qu'il m'a dit dans la nuit, il a plutôt intérêt d'être honnête avec elle. On peut discuter tous les trois? C'est possible? Vas-y, arrête, Ilo. Viens, on va discuter tous les trois. Vas-y, là, c'est bon, vas-y, reste là. Donc, j'aimerais avoir les deux versions de ce qui s'est dit là, de ce qui se passe, ce qu'il t'a dit à toi. Ouais. Pour voir ce qui est sincère, ce qui est honnête, ce qui est normal. Moi, je vais te dire ce que je pense, enfin, tout ce qui s'est passé, parce que j'ai rien à cacher. Quand on est arrivé dans l'aventure, on a commencé à avoir un petit feeling. Moi, par rapport à votre séparation qui est toute fraîche, j'ai pas voulu. Je me suis mis des barrières, clairement, j'ai pas voulu trop forcer le truc. Je voulais voir si vraiment on était sûr de où est-ce qu'il en était, de ce qu'il voulait avec toi. Voilà, maintenant, bon, forcément, moi, je pouvais pas non plus nier le fait que je l'appréciais beaucoup.
et que voilà, après c'est passé, on s'est embrassé, etc. Maintenant, je voyais très bien. En fait, je doutais de lui dans le sens où je me suis dit, ok, il me rassurait, il me disait voilà, à tout moment, si elle vient, moi, je suis sûre que c'est terminé, que je veux plus d'elle, que c'est pas bon pour nous, ni pour elle, ni pour moi. Il faut que j'avance, il faut que je pense à mon bonheur. Maintenant, moi, je voyais très bien que j'étais pas à l'abri, que quand tu débarques, il se passe ça. C'est Julien, je vous rappelle, qui a tout fait pour que je sois avec lui. C'est lui qui a tout fait pour que bah, je fasse confiance. Et puis, je ne se remettrait pour rien au monde avec Ilona. Et là, quand je vois qu'au bout de même pas 48 heures, il l'embrasse, il pense qu'à lui, il est égoïste. Moi, dans tout ça, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé à être dans cette position-là. J'ai l'impression vraiment d'avoir été prise pour une idiote. Maintenant, j'ai l'impression aussi que quelque part, c'est un petit peu égoïste de ta part de. Et c'est pas méchant, hein, mais de. Comment dire? Parce que moi, je sais qu'il n'était pas sincère avec toi. Donc, je suis honnête et je dis les choses et je suis une femme aussi. Je ne suis pas égoïste parce que sinon, j'aurais fait les choses autrement. Et c'est juste que je sais très bien que tu n'es pas son style et que tu ne lui plairas jamais. Lui, il m'a avoué qu'il n'en avait rien à faire d'elle et qu'il s'était servi d'elle pour me rendre jalouse et pour que je pète un câble et pour que je revienne. En fait, il a de la peine pour Océane parce qu'il sait qu'il l'a pris pour lui. Enfin, lui, en tout cas, il m'a dit que tu es sincère et que tu te voyais avec moi à l'extérieur et que c'est que ça. Maintenant, s'il ment. C'est ça que tu as dit, Julien? Oui, mais c'était sur le ton de l'humour. Aussi, on se faisait des blagues. D'accord, ok, donc c'est l'humour. Donc non, en fait, on se faisait des blagues aussi. Tu m'as pas dit qu'à l'extérieur, tu. Qu'on. Non, mais c'est pour ça que tu m'as pas dit. Tu m'as pas dit que si je partais, tu partais. Arrête tes conneries, non, mais n'abuse pas. On a dit que c'était la famille avant tout. Arrête. Et après, oui, mais après, oui, voilà, parce que c'était des blagues. Tu as quand même dit, non, tu ne rigolais pas. Tu ne rigolais pas, Julien, d'accord? Je sais qu'arrête, arrête. Ça faisait. Ça vaut vraiment, c'est tout, là. Peut-être deux jours qu'on était ensemble. Tu l'as quand même dit. Tu pars, je ne vais pas quitter ma famille. Tu l'as quand même dit, Julien. N'abuse pas. Et c'est même moi qui ai voulu attendre son arrivée pour voir par la suite comment ça se passait avant de faire quoi que ce soit. Mais tu sais très bien que je ne serais pas parti. Et bah, tu pensais pas la faire monter. Oui, mais c'était sur le ton de la blague aussi. Julien, le problème qu'il y a, c'est que tu m'as dit que j'étais pas non plus. Pas avoir ce genre de truc parce qu'on va se faire du mal et à l'un et à l'autre. Non, je t'ai dit pourquoi moi, pourquoi pas une autre. Parce que moi, tu m'as dit que c'était autre chose, Julien. C'est ça que t'as dit, Julien? T'as dit ça? Et du coup. J'ai dit qu'elle me plaisait et que j'étais bien ici parce que je pensais pas à toi, Ilona. Est-ce que tu lui as dit que c'était différent des autres? Ben, différent des autres, oui. D'accord. Mais ça, bien sûr, ça, oui. D'accord. Ok. Merci pour la discussion. Oh, mais c'est quoi ce mec? J'ai qui en face de moi? Mais je rêve! En fait, il me ment sur tout, en fait. À la base, j'étais sûre qu'il ne pouvait pas se l'avoir. Mais en fait, je suis en train de me dire que s'il faut, moi, il m'a dit tout ça cette nuit, juste pour me retrouver un petit peu. Mais en fait, il l'aime vraiment bien. Mais bon, ça ne marche pas comme ça! Tu ne me mens pas! Je ne veux plus de vos histoires, moi, terminé. Débrouillez-vous. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, bébé? Il vient d'avoir une conversation avec Océane et Julien et que c'est un gros menteur. Pourquoi? Bah, il lui fait croire des choses à elle, il lui dit que c'est différent, il lui dit des choses. À moi, dans la nuit, il me dit que c'est complètement faux. Oui, mais tu le sais qu'il m'a dit tout ça. C'est un gros menteur. Mais tu le sais qu'il a dit tout ça pour l'emboucaner. Non, tu peux pas sortir avec quelqu'un en lui disant oui, non, j'aime Ilona, mais viens, on se met ensemble. Jamais elle aurait accepté. Tu sais très bien que des mecs, c'est comme ça, ça emboucane, sinon ça arrive pas à ses fins. Ilona, j'arrive pas à la comprendre. Elle veut pas que Julien y parle avec Océane, mais aussi elle veut pas se remettre avec lui. À un moment donné, il faut qu'elle se remette en question, ou elle est dure et c'est pas ce qu'elle veut. Moi, je peux pas le laisser là, à moi me dire l'inverse le matin, l'après-midi la prendre à elle et lui dire d'autres choses. Et soit t'es droit dans tes baskets et tu dis les mêmes choses. Il lui dit à elle, il lui fait croire encore mon émerveillement. Mais qu'est-ce que je t'ai dit depuis hier? Il veut la garder sous le coude parce qu'il sait qu'entre toi et lui, c'est mort. C'est pas grave. Il veut la garder sous le coude. Et bien qui garde même, lâche. Qui garde même toutes les ça, filles de la planète sous le coude. Et non, moi, je m'en vais. Je vois un Julien que je ne reconnais pas, que je ne connais pas. Et en fait, je vois un Julien qui est capable de mentir à deux filles, de briser le cœur de deux filles. Et même s'il ne le pensait pas, et même si quand il l'a dit, c'était pour l'envoûter, pour faire je ne sais quoi, il l'a vraiment prononcé et une fille y a vraiment cru. Il ment à tout le monde, il se perd dans ses discours, il n'est pas clair, il n'est pas honnête. Moi, je déteste ça. Tu vas tout à fait. Je reste pas dans cette situation. Je ne peux pas rester là, Maïva. C'est pas la solution. C'est pas... Déjà, j'ai besoin de toi. Ça fait longtemps que je réfléchis. D'accord? Depuis que je suis arrivée, je veux partir. Je peux pas rester dans cette maison avec lui. Je lui fais du mal, je me fais du mal, je fais du mal à Océane. Tu vas partir, ok. Là, tu as tes amis qui sont là pour toi et on t'aide et on essaye de faire en sorte que tu fasses un travail sur toi-même. Sous le même toit que moi. Et moi, je ne peux pas accepter, en tant que personne humaine, en tant que femme, en tant que tout ce que tu veux, de voir qu'à moi il dit des choses et à l'autre il va lui dire des choses après. Mais un homme, c'est lâche. Et moi, je pleure et tout le monde pleure. Et qui c'est la victime dans l'histoire? C'est lui. C'est ça le pire. Tu vois? C'est ça le pire. Vous êtes trois victimes dans l'histoire. Là, j'ai juste besoin de me retrouver seule, avec plus personne qui vient m'embrouiller le cerveau, ni Julien, ni Maëva, ni Nico, ni personne, et me poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai la capacité d'être ici, avec Julien et Océane en face de moi? Est-ce que j'ai la capacité d'être simplement à côté de Julien? Est-ce que j'ai la capacité d'être sans Julien? Je ne sais pas, mais là, pour l'instant, je ne peux pas rester.
Je sais pas, il y a tout qui me brise le cœur, tout qui me fait trop de mal en fait. Là, vous devez faire la belle et le clochard. Hein. Ah ouais. Vas-y. Attends. Dans la belle et le clochard, ils finissent en bisous. Et le champi, il est pour qui? Il est pour qui, le champipi? Il est pour papa, le champipi. Je vais à Jimmy, à peine j'entends la musique. Bam, bam, bam. Tu es monstre. 500 points. Magnifico. Oh, je n'ai rien! Oh, je n'ai rien, rien pour toi! Il y a la Z! Il y a ma Z! Il y a ta Z! Les gars, personne n'a réagi du RDM! T'as senti la puissance, hein? La puissance, gros! Après le duel des champions, c'est Océane qui a remporté les 1000 points. Là, c'est les Marseillais qui obtiennent ce champignon. Bon, je suis dégoûté. Je sais pas comment on va faire pour rattraper ça. Bon, ça va s'envoyer la belle et le clochard, là, je le sens. Tu le mets sur l'assiette, vas-y, je donne les abonnements. Vilaine. Moi, c'est chaud, là. Moi, ça fait un bisou. Elle me met un râteau. Elle veut pas me faire le coup de la pâte. Elle me décroche pas ce bisou. Y a rien à faire. Mais par contre, on est sur la bande, bon, moi je me langue. Oh là là. T'as vu ce qu'ils me font là? Ils sont en train de vraiment se mettre ensemble. Alors qu'hier, elle me dit non. Ils sont en train de faire un vrai boulot, Julien. Ah bon? Ah ouais. Là, ils sont là-bas en train de s'embrasser ou quoi? Ouais, je crois. Hein? Genre, bel et clochard, spaghetti tout dans la bouche. C'est... Zepa et Paga sont vraiment en train de se rapprocher sous mes yeux et c'est horrible parce que malheureusement je l'aime encore et c'est encore très frais et je me rends compte qu'elle passe très vite à autre chose. Clairement, c'est comme si j'étais pas là ici. Simon, est-ce que tu penses trouver une fille mieux que Zepa? Oui. Il y a toujours mieux dans la vie. Bah oui. Bonne réponse, c'est vrai. Est-ce que tu accepterais de voir Zepa en couple ici? Mais elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle assume les choses. Il faut assumer. Pas que je suis là dans la maison. Mais non, mais il faut assumer parce que hier, quand je te pose la question, tu n'assumes pas. Mais elle assume, hein. Non. Juste parce que tu alors pourquoi hier? Alors pourquoi hier tu me dis non quand je te pose la question sur ma vie? Oh, je parie, j'ai encore raté là. Mais si, non, mais c'est pas un reproche, c'est une vraie question que je te pose. Mais pourquoi t'assumes pas? Mais pourquoi t'assumes pas assumer? Faut assumer dans la vie. Simon, il est toujours sur mes codes, toujours au milieu de tout ce que je suis en train de faire. Il va falloir vraiment qu'il fasse la part des choses et qu'il se dise qu'aujourd'hui on n'est plus ensemble, que je ne lui dois plus rien. J'ai encore le droit de faire ce que je veux avec qui je veux. Parce que qu'elle le fasse, mais qu'elle assume les choses. Parce que hier je lui dis, est-ce que tu ressens un truc pour Paga ou non? Elle me dit Paga, mais jamais de la vie. Mot pour mot, hier soir sur le bal d'Alquin. Assume-le et ok. Tu l'as dit ça, Paga? Quoi? Bah, moi, je serais toi, j'irais dire à Paga. Si elle a pas envie d'assumer devant son ex qu'elle kiffe un autre mec, mais elle a le droit. Ah, mais en fait, elle a tous les droits, elle. Même si elle m'aurait dit directement, oui, Paga et moi, il y a un truc, ça m'aurait fait aussi encore plus de mal. Mais là, le fait qu'elle change de discours et qu'elle pense en fait qu'elle peut faire ce qu'elle veut ici sans à aucun moment se remettre en question sur ce que moi j'ai au fond de mon cœur et le mal qu'elle me fait ici, bah, je trouve ça vraiment méchant. Elle en a rien à faire. Elle s'en fout totalement et moi ça me fait du mal. Elle disait je t'aime frérot et en 4 jours tu changes d'un coup, assume-moi les trucs. Oui, dis-moi clairement, j'ai un coup de cœur pour Paga et je t'oublie. Et ok? Eh ben j'ai un coup de cœur pour Paga, voilà. Je t'oublie. C'est bon maintenant. Voilà. C'est bravo, bon. Bravo, voilà. Tu l'as dit. Mais c'est pas la vérité. Si, c'est la vérité. Mais je l'aime bien, si, ce mec. C'est la vérité. Et il est mieux. Et c'est il m'a fait plus de bien que toi, tu m'as ouais. fait. Okay. À l'espace mais, de tout le voilà. temps que tu as été là. Et bah, oui, c'est la super. Vérité. Parce que mais ça ne veut pas pour autant dire que moi et Paga, on va finir ensemble, en fait. Mais le jour où je suis partie, t'as dit, j'ai oublié. Alors j'ai le droit de faire ma vie. Pour une toi et moi, on se doit plus rien. Alors certes, il y a encore quelques jours, je lui devais quelque chose parce que je lui ai donné de l'espoir qu'on se remette ensemble. Par contre, en l'occurrence, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai mis un point final à l'espoir que je lui ai donné. Donc, je suis encore dans le droit de faire ce que je veux sans lui devoir de compte parce que lui et moi, nous ne sommes plus ensemble. Paga, tu comprends pas quoi Paga, mais t'as un bac plus 5 et tu comprends pas ce que je te dis. Deux, c'est pas possible quand même. Non, c'est toi qui n'as pas plus 2, tu comprends pas. Mais j'ai même pas le premier, j'arrive à comprendre les choses. Oui, tu as raison. C'est moi, tu as raison, je suis le méchant. Les sentiments partent vite. Voilà. Je pense qu'on a oublié que le jour où je prends le van, elle me dit je t'aime. Et j'avais qu'une seule envie, c'est revenir ici pour la récupérer, pour qu'on se remette ensemble. Et quand je reviens ici, elle me dit qu'elle est heureuse sans moi. C'est pas compréhensible. Alors c'est qu'au fond, elle ne m'aimait pas. Viens, j'ai un cadeau pour toi. C'est vrai? Ouais. J'ai un cadeau? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Un bijou? J'ai un cadeau.
je peux pas être plus surprise de la personne. Le mec est une surprise, en fait. Donc, je suis contente et je trouve l'attention hyper délicate. Je trouve ça sympa qu'il ait pensé à moi. Il est trop chou, Bastos. Pourquoi tu m'offres un cadeau? Je sais pas. C'est pas mon anniv. Non. Et du coup, t'as trouvé... Ça te fait plaisir? Je suis trop contente. Attends de le voir, d'abord. Non, j'ai vu. De toute façon, depuis que je te côtoie, je commence vraiment à mettre n'importe quoi sur moi, en fait. Je m'habille un peu n'importe mais comment. Mais je crois pas que t'aies bien vu ce que c'était. C'est des papillons! Attends. Oui, mais c'est marrant. Mais c'est des pas... C'est... T'aimes bien? Grave, de ouf, je vais le mettre. Pour de vrai, je vais le mettre. Je l'aime trop, Bastos. Il est trop mignon. Il m'a offert un collier de pâtes. En fait, j'ai l'impression que Bastos, c'est un bébé dans un corps de mannequin de 33 ans. Il a des petits papillons tatoués, des petits arcs-en-ciel. Il est hyper cute, genre, il est trop mignon. T'as fait exprès de mettre un B? Bah oui, parce que c'était... C'est pour rappeler Bastos. Et du coup, oui, j'avais pas oublié ton prénom. C'est pour moi. C'est très gentil. Merci. Ça te fait plaisir. Je suis très contente. On s'embrasse. On est que tous les deux. On est dans la chambre. On s'envole, quoi. On s'envole, on touche plus le sol. Je fais un petit geste vers elle. Et finalement, ça débloque la situation. Et enfin, on est ensemble. On est en couple. Et ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Casse-toi! Ok, on est en couple. Faut pas que je panique. Mais ça me fait plein de papillons dans le ventre. Comme le papillon que j'ai là. Eh ben, ça m'en fait plein dans le ventre. Je regrette pas d'avoir attendu. Genre, je suis trop contente. Réunion! Venez! Y a tout le monde, là? Il est où, Nico? Simon? Attends, alors je vais les chercher. Ilona, elle lance une réunion, c'est pas dans son habitude de lancer des réunions. Et là, je vois que le visage d'Ilo, totalement fermé. Et là, je me dis, ça sent la boulette. Franchement, j'aime bien être là et me battre pour la famille et tout ça, mais j'ai pas la tête à ça. Vraiment, j'y arrive pas. Et je vais partir parce que je suis pas bien ici et que je pense que ça fait beaucoup trop de mal à trop de monde. Et surtout à moi, à Océane aussi. Elle est là. Il y a des choses que j'accepte pas et que je peux pas accepter et que je devrais accepter, que j'ai pas le droit de faire ce que je fais là. J'ai pas le droit de réagir comme j'ai réagi depuis que je suis arrivée. Tout ce que j'ai fait, c'est pas normal parce que vu que je veux pas me remettre avec lui. Je peux pas prétendre à vouloir dire quelque chose ou l'empêcher de quoi que ce soit. Ilona, elle fait le bon choix. Les deux dans cette aventure, c'est quasi impossible. Ilona, elle peut pas se permettre de vouloir diriger la vie de Julien Bert alors qu'elle l'a quitté et qu'elle veut plus être avec lui. À mon avis, entre les deux, c'est terminé. Voilà, ils se remettront pas ensemble. Il y a eu trop de cassures, trop de déchirures. C'est pas possible. Je suis désolée pour le mal que j'ai causé ici. Je suis désolée à toi, Océane, aussi, parce que même si je t'apprécie pas... C'est pas de ta faute. Si, c'est de ma faute parce que j'aurais dû rien dire. J'aurais dû rien dire et tu as été extrêmement respectueuse envers moi et je te remercie. C'est normal. Je suis vraiment navrée d'avoir mis cette ambiance dans la villa parce que c'était pas mon but en venant là. Et je préfère partir parce que je veux pas que... Je veux pas ça, c'est plus possible. Je suis désolée, je vais faire mes valises et je suis désolée. Je craque littéralement. Mais je pense qu'il faut que ça sorte tout ça. Il faut que ça sorte pour essayer d'avancer et de tourner une page, mais c'est juste dur à encaisser. Mais dans un sens, je sens que ça va être un soulagement un peu. C'est impossible de cohabiter comme ça. Et plus on va continuer à rester ensemble ici, on va se faire du mal, on va continuer de se détruire, on va gâcher l'ambiance de l'aventure. Et on veut pas tout ça. Je peux pas la retenir. Fais chier, elle est sous con. Faut qu'on s'écrive définitivement. Plus qu'on s'écrive, qu'on se voit, qu'on s'appelle. Non, tu as mis un point final, là. Voilà. Sinon, on n'y arrivera jamais. Et on va se faire du mal. Aussi, voilà, vous avez mis un point final à votre relation. Il fallait, de toute façon, tu as fait le plus dur. Faut que je pense à moi, mon frère. Pour moi, c'est quand même un mal pour un bien, parce que Ilona, elle a besoin de temps pour digérer que Jules soit en train de refaire sa vie. Jules, il a besoin d'espace pour pouvoir penser à autre chose, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir revivre. Et clairement, la meilleure solution, c'est qu'il soit pas sous le même toit.
Nico, Nico, désolé pour tout à l'heure. Je suis sur les nerfs, je suis désolé. Désolé, je m'exprime mal et tout, frère. Je suis tendu, j'ai rien dormi. Non, c'est qu'il sait pas, il est pas lui-même, frère. Ouais, je sais. C'est pas lui. Je peux pas lui en vouloir parce que voilà, il était vraiment sur les nerfs. Là, Juliette, vraiment effondrée, voilà, en larmes. Et ça me fait beaucoup de peine. Donc, Ilona, franchement, vaut mieux qu'elle aille prendre soin d'elle parce que rester ici, c'est gâcher aussi l'aventure de Julia. C'est peut-être le destin au final. Je vais rester un peu seule, ça va me faire du bien et on verra ce que je suis capable de faire, d'avancer ou pas. Non, il faut que tu acceptes de pardonner Lo. Tu seras jamais bien. Tu seras jamais heureuse dans ta vie, ni avec lui, ni avec un autre, si tu acceptes pas de pardonner. Je sais. J'ai vraiment pas envie qu'Ilona, elle parte, parce que Ilona, c'est mon amie. Je sais qu'à l'extérieur, elle va encore plus souffrir. En plus, moi, déjà que j'ai pas beaucoup d'amis, bah, je me sens abandonnée. Franchement, ça me fait trop de la peine. Les valises sont prêtes, il est temps pour moi de quitter la villa. J'en ai marre de pleurer, je veux pas que ce soit un départ où tout le monde pleure. Je sais que c'est la meilleure décision, je sais qu'il faut que je parte et je sais que je regretterai pas mon choix. Reviens, hein. Ouais, je sais. On revient pour perdre la coupe? Non. Je pense que cette année, il y a une vraie... Il y a un vrai changement. Non, t'en voulais pas pour le tir à l'arc, je trouve ça un peu extrême comme ouais, décision. C'est pas grave d'avoir perdu. J'accepte pas ma défaite. J'avais jamais fait mes valises avant ça. J'avais jamais fait. L'amour est plus fort que tout. C'est la seule phrase qu'il faut pas dire, mon frère. C'est trop genre. Merci pour la blague. Non, mais c'est vrai. Ouais. D'accord. Elle part parce que. Ilona part et c'est vrai que c'est peut-être mieux pour elle comme pour nous qu'elle parte. Leur relation est en train vraiment de peser sur la maison. Donc je pense que la famille du reste du monde se portera quand même mieux sans elle. Essaye de retrouver des forces, Cyril. Et de penser à toi. Je peux vous gagner. Petit îlot. Bisous, Ilo. Je sais que c'est dur pour elle et moi. On se regarde avec les yeux remplis de larmes. Tous les deux, on s'est fait du mal ici. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je peux pas dire que c'est 90%, 10%, c'est pas vrai, c'est 50-50. Là, ça y est, c'est un point final avec Ilona et c'est terminé. C'est la vie, c'est comme ça. On n'y arrive pas. Essaye pas de m'embrasser. Non. Et je te vois. Attends, le corps. Tu peux pas partir, j'ai compris. Non. Je dis au revoir à Julien. C'est bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir un poids qui s'enlève, en fait. J'ai l'impression de... Au final, je pense que tout a été dit. Maintenant, il n'y a que le temps qui fera les choses. J'espère qu'on pourra être heureux, chacun de notre côté. Et je suis déchirée en deux, mais peut-être pour le mieux. Chef, j'ai gagné tous mes jobs. Ouais, allez, je te rends compte. Cet après-midi, je pars en battle d'urgentisme avec Paga face à Giuseppa et Simon. Moi, j'étais assistante dentaire, tous les trucs d'urgentisme, je connais par cœur. J'ai toujours rêvé d'être infirmière parce que les infirmières, elles sont trop sexy et que moi, je suis trop sexy. Du coup, je vais être trop forte. Maëva va raser Giuseppa. Maëva, j'ai déjà rasé une fois. Je suis déterre. Tu reviens avec les points. Ma seule amie qui me reste. Elle est cool. Allez, andiamo. Andiamo. Allez, courage. Allez, Maëva, déchire tout. On quitte la villa avec Simon, Paga et Maëva. J'appréhende un petit peu cette battle avec Simon. J'espère qu'on ne va pas se disputer, qu'on va savoir vraiment faire la part des choses entre le job
et la vie perso. Donc là, vraiment, j'espère que Simon, il va prendre sur lui parce que moi, je suis hyper déterminée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le battle. Merci. Yes. On arrive à la battle infirmier avec Giuseppa. Et là, on voit trois sièges d'urgentiste. Du coup, il va falloir soigner quelqu'un ou quelqu'un va devoir nous soigner. Maintenant, j'espère que Giuseppa va vraiment mettre tous nos problèmes, tous nos rancœurs de côté. J'espère qu'on va réussir à gagner ce battle. Alors aujourd'hui, c'est battle urgentiste qui vaut 800 points. Donc moi, je suis Jennifer, urgentiste. Je vais vous montrer comment on fait un plâtre cheville. Et je vais vous montrer les critères à respecter et qui feront que vous gagnez le battle. Ok pour vous ? Incroyable. Okay. Allez-y, venez. 800 points à la clé. Franchement, il va falloir tout donner. Moi, j'ai déjà eu plâtre dans ma vie. Donc, je me rappelle comment on me l'a posé. C'est sûr, la battle de plâtre, elle est pour moi. Donc, vous partez de la cheville et vous remontez sous le genou. Vous enfilez ça comme une chaussette. Ensuite, vous allez appliquer un bandage avec le coton cardé et on va passer au plâtre. Vous allez l'appliquer comme un bandage. Ensuite, vous allez masser le plâtre jusqu'à obtenir quelque chose de lisse. Et surtout, ne pas dépasser, d'accord? Je veux pouvoir voir à la fin de la battle que les orteils bougent. Ok pour vous? Ok. Go. Allez, bravo, alors vous merci. Avez chacun un poste. C'est les filles qui vont devoir réaliser un plâtre. Nous, on est juste les cobayes. J'espère que Giuseppa va réussir à le faire comme il faut. Il faut qu'elle reste focus et il faut que ça se passe bien. Allez, c'est parti. Regardez, j'ai vraiment la dégaine d'une infirmière parce que à l'hôpital, elles ont toujours ça comme ça. Exactement. Parfaite. Alors, bonjour, monsieur Pagini. Oh. Comment allez-vous? Yes. Oh. Oh, j'ai Guénam, une infirmière. Alors, celle-là? Moi, dès que je mets la blouse, ça y est. Je suis dans le personnage. I am infirmière sexy. Je vais vous faire le plâtre pour stabiliser tout ça. Non, l'autre côté. Hein? L'autre côté, c'est de derrière. C'était comme ça. Mais non, oui. Pensez à bien garder un petit peu de marge, hein, de part et d'autre, que le jersey soit pas trop court pour vous protéger la peau. Oh, la coupe. Regarde. T'es malade, laisse-moi faire. La même impression de Maëva. C'est vrai qu'elle s'applique. Elle est tendre dans ses gestes, la chaussette, elle est bien faite. Tu peux pas mieux faire. Il est magnifique. Ça pas trop. Pas trop compressif pour les deux bandes. Mets les gants. Je savais pas, c'est bon. J'ai oublié. Je suis dans ma bulle, j'ai pas du tout envie de rigoler avec lui. Bon, c'est vrai que je fais quand même quelques petites gaffes. Et apparemment, c'est hyper dangereux de mettre les mains dans le plâtre sans gants. Mais au moins, c'est pas plus mal, ça permet de détendre un petit peu l'atmosphère. Vous êtes délicate, Maëva Guénam. Vous êtes une bonne infirmière. Je sais, faut laisser la circulation du sang. J'ai toujours rêvé d'être infirmière et du coup, je fais trop bien mon plâtre. J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. C'est bien, il est bien, hein. Magnifique, il est magnifique. Fais gaffe. Passe mes poils, je t'en supplie. Mais tais-toi. Serre pas trop. Je ne serre pas trop. Je te préviens. Le risque, c'est qu'elle force trop et qu'elle me coupe la circulation de la jambe. J'ai un petit peu peur, j'espère qu'elle va pas non plus se venger sur moi. On met une bande. Là, faut que tu étales. Mais pose pas ta jambe. Elle est pas allée jusqu'au. Quand je vois le plat de Simon et Giuseppa, je me dis mais il est tout traîné. Elle lui a fait court alors qu'il fallait aller presque jusqu'aux orteils. Elle a pas fait l'ourlet, qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc moi, je suis trop contente. Pourquoi vous n'êtes pas encore au plat, vous? Parce qu'elle fait bien, vous êtes trompé. Non mais t'as pas raté un truc, j'espère, là. Non, pas du tout. Non, j'ai rien oublié. Toutes tes affaires, Simon. Avec ton ex. Franchement, t'es très douée, hein. Je vois ça. C'est très tendu, on se parle très peu, il n'y a pas de regard, il n'y a rien. Mais bon, au moins, on est un petit peu en avance sur le temps. On a peut-être un espoir de pouvoir gagner ce battle. Mais dis que tu as fait ça toute ta vie. Pas jusqu'à la cheville. Voilà. Allez. Guénam, tu m'impressionnes. Je fais attention à tout, je fais bien plat, tout propre. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de raser le RDM. Et franchement, Paga, il est impressionné par Maëva Guénam. Maëva Guénam, elle est impressionnée par elle-même. Franchement, je suis trop forte. Je rappelle, le principe du plat, c'est l'immobilisation, hein. On presse pas trop, franchement. Il refoule pas un peu là, ici, là. Ah si, un peu, ouais. Vas-y, mets-en une encore. Tu pourras mettre un mot si tu veux, après. Adieu. Bah, encore une fois, je pense qu'elle en rate pas une pour me terminer. Maintenant, en tant que je vois qu'elle fait les choses bien, j'ai rien à lui dire. Accélère, Maëva. Là, il faut que tu accélères. Frotte, il faut que tu frottes, là. Il faut que ce soit lisse. Ouais, je sais. Oh, tu sais que tu me l'as bien fait. J'ai la cheville, elle est bloquée. Et les orteils bougent. Il reste plus que quelques minutes et petit à petit, le plâtre se forme. Je suis impressionné. Elle réalise un plâtre presque à la perfection. Il ne vous reste plus que 10 secondes. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Terminé.
Oh. Alors. Dès la finition. Ah ouais. Et en plus, ça vient jusqu'à là. Y a pas photo. Vous êtes arrêté trop court. Josépa, elle a mal fait les choses. Le plâtre, il s'arrête au milieu du pied. Eh non, il y a tout qui peut bouger à l'intérieur. Je pense que là, ils se sont pas mal manqués. Bougez les orteils. Il n'arrive pas trop. C'est parfait. Faites voir l'aspect du plâtre. Vous avez du plus long. Plus long, hein, parce que là, la cheville... Ouais. Ok. Je bouge que ça, que le reste... Voilà. Ok. Finition des deux côtés. Allez, la battle est terminée. En tout cas, mon plâtre, je l'ai trouvé au top du top. Mais quand j'observe le plâtre de Maëva, il est pas mal non plus et ça va se jouer vraiment à très peu, je pense. Je vais donner les résultats à Catalia de la battle et je vous laisse repartir avec les béquilles et les plâtres à la villa. Allez. Quoi ? Oui ? C'est génial. Tu peux rentrer avec la tenue ? Oui. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce qu'elle va dire à Catalia, mais en tout cas, Maëva, pour le coup, elle a fait du très très bon travail. C'est parti, on rentre tous à la villa. Simon plâtré et moi aussi. Je suis pas une béquille, moi, Paga. Non, mais tu as pas mal de degrés là. Mais c'est pas mal de degrés. T'es con, mais hey, on peut marcher. Ben ouais, il est pas cassé. Putain, on est des débiles, frère. Mais non, mais j'ai pas envie d'abîmer. Mais non. Depuis quand on a des pieds cassés? Avec ma blouse, mon testo top, Paga, son plâtre et une béquille. Là, j'ai trop l'impression d'être Docteur Guéna. Faites voir la diff entre les deux. Le mien, il est plus beau. Non, mais vous le savez. Non, pas du tout. Quand tu vois, premier débout. Regarde, lui, il est trop court. Ça tient pas la cheville. Elle a dit. J'ai l'impression que c'est les mêmes. Mais non, regarde le pied. Il s'arrête. Oui, mais il s'arrête à mettre la cheville. Non, alors. J'ai déjà mis un plâtre, d'accord, pour avoir mon genou, et il faut le mettre tout le pied. Merci. Je suis assez impressionnée. Franchement, le travail, il est très bien fait. Donc, j'espère vraiment que pour le coup, c'est Marseille qui ont remporté cette battle. Surtout que moi, j'ai quand même déjà ramené 1000 points aujourd'hui. Donc, j'espère vraiment qu'on va continuer sur cette lancée. Allez, venez. Maintenant, je vais vous enlever les plâtres. Ah mais là vous allez les enlever là maintenant? Bah oui. Bon là j'ai qu'une envie, c'est vite l'enlever. Je commence à me faire des crises d'angoisse, claustro. Je me dis le plâtre il va sécher, je peux pas l'enlever. Aïe aïe aïe. Voilà. Il y a pas eu de dispute entre les deux là? Non mais nous le RDM on est très professionnel, vous savez. J'osais pas aller en train d'enlever le plâtre à Simon. Je suis pas encore avec elle que ça m'énerve déjà. Je suis jaloux, elle fait pas ça à mal, mais le fait qu'il y avait Simon qui est revenu, ça met quand même des barrières entre Josépa et moi, alors qu'en fait, si on avait été que tous les deux, elle et moi, à l'extérieur, je pense qu'on serait déjà en couple depuis un long, très très long moment. Allô, mon bon binaire. Hein? Allô, ma déesse. Oh, viens, on va se poser un peu. Voilà, petit date improvisé. Merci. J'ai envie de parler de toi. Et c'est dur à quel point comment tu me fais craquer. Ouais, bah... C'est vrai qu'il y a un truc qui se passe, mais c'est bizarre. Il y a encore eu la dispute là avec Simon. Je pense que là, c'est clair, net et précis. Et puis voilà, j'attendais de voir un petit peu si je ressentais vraiment des trucs pour toi. Et oui, je les ressens. J'avais vraiment un feeling que je l'ai. J'ai eu un coup de cœur, je l'ai eu aussi. J'attendais juste que tu sois toi fixé. Tu sais, le petit Simon, même si je le connais pas, c'est pas mon ami, j'ai pas de compte à lui rendre, mais s'il serait là à côté, je me permettrais pas. Enfin, tu vois, je me sens un peu gêné. C'est quand même délicat. J'ai envie de me lancer dans une histoire avec Paga, j'ai envie de baisser ma garde, j'ai envie de vivre pleinement mon histoire, mais je suis encore bloquée par rapport à Simon parce que qu'il soit là, bah, ça me fait de la peine de faire ça devant lui. Voilà. Oh. Je suis contente de t'avoir rencontrée. C'est beau? Oui. Moi aussi. Tu es trop mignonne. Je m'y attendais pas. Ah ouais? Bah ouais. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis... Je sais pas, ouais. Tu vois? Et seule, dans notre bulle, je suis en craquage, là. J'ai qu'une envie, c'est lui faire des câlins, l'embrasser. T'es belle, tu me fais craquer. Ouh là là. Tu craques à combien? 99,9. Le 0,1 qui manque, c'est le baiser. T'as envie de m'embrasser? Ouais. C'est moi qui t'embrasserai. Quand tu veux. J'attends. Je résiste quand même depuis pas mal de temps maintenant. Et je pense qu'il va y avoir un moment donné où je vais quand même devoir baisser ma garde et arrêter d'avoir peur, peut-être. Arrêter de me voiler la face, arrêter de me mentir à moi-même, arrêter de mentir à tout le monde sur le fait que, au final, bah oui, Paga et moi, on a un truc qui se passe et c'est très fort.
quelqu'un. Pas grave. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ilona n'est plus là. De quoi? Elle est où, Ilona? Elle est partie, maintenant il revient au Océane. Vous avez pas compris là? C'est hors de question que j'en mette à crier. On va se mettre dans l'espace. Oh ouais. Allez. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Le champignon. J'aimerais que ce moment s'arrête jamais. J'aimerais qu'on puisse être que tous les deux éperdument, éternellement. Tu me fais trop du bien, Paga. C'est chaud. Océane. Et qu'est-ce que tu vas faire d'elle? J'ai qu'une envie, c'est kiffer et faire tout ce que j'ai envie de faire. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est me rapprocher d'Océane. Donc, je vais le faire. J'ai décroché la lune, tu la veux pas? Regarde-moi. Ouh là là, Julien Bert. Il est où, Julien? Qu'est-ce que ça fait? Il est où, Julien? Là, elle est arrivée par où? C'est une blague. Il est où, Julien? Qu'est-ce que tu fais là? Jules! Qu'est-ce que tu fais là, Ilona? Non. On ne s'ennuie jamais. Non, non, non.